sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce jour de fête, puisque nous sommes là pour célébrer notre Seigneur, notre Dieu, et c'est à chaque fois une fête que de pouvoir le faire. Réunir les enfants sous le regard bienveillant du Père, c'est ce qu'on fait dans les réunions de famille en général, et c'est là où on prend plaisir d'être tous ensemble. Alors bienvenue à vous tous, particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui sont de passage dans le coin. Merci à David, Caroline et les enfants d'être aussi des nôtres. David et Caroline sont missionnaires et auront l'occasion de se présenter et de témoigner. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent par le biais de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse tous ensemble, que la grâce et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Je voulais vous proposer d'introduire ce moment de culte avec le psaume 67. Je lis dans la version Semeur. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que chez tous les peuples on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges, que les nations jubilent et qu'elles crient de joie. Car tu gouvernes les peuples selon la droiture et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes, Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Amen. Pourquoi ce psaume ? À l'époque où il a été écrit, dans l'ancienne alliance, peut-être qu'il était un petit peu nationaliste. Dire, Seigneur, nous on mérite la bénédiction, les autres ils n'ont qu'à regarder, et puis ben, ils verront que nous on a Dieu avec nous. Aujourd'hui dans la nouvelle alliance, j'ai envie de vous proposer une autre lecture, qui est peut-être la bonne d'ailleurs, mais j'ai envie de vous proposer cette lecture que si Dieu nous bénit, alors ça donne envie certainement à ceux du dehors, voyant la bénédiction qui repose sur nous, ça donne envie, ça peut donner envie à ceux du dehors de connaître le Dieu qui nous bénit. Et dans une optique d'évangélisation, je trouve que c'est une bonne prière à pouvoir faire. Seigneur, bénis-nous afin que nous rayonnons et que ceux qui sont dehors aient envie de connaître ce qu'il y a en nous. Et je vous propose que ce soit comme ça qu'on l'envisage ce matin et qu'on puisse, au cours de ce culte, prier en même temps, pour l'Église persécutée. Je vous propose aussi de prier, de penser aux détenus des prisons d'Angoulême et de Bennac. Il y a des choses graves qui se sont passées à la prison d'Angoulême, je ne peux pas le dire publiquement comme ça, mais sachez qu'il y a des choses graves et il y a vraiment un gros besoin de prière pour les détenus et aussi pour le personnel encadrant. Et puis prions pour tous ceux que nous avons à cœur, qu'ils rencontrent le Seigneur. Ça
Ça vous plaît comme programme? Alors on peut, ensemble, nous qui habitons sur la terre, chanter à haute voix, chanter, nous réjouir au Seigneur et nous égayer en son honneur. C'est le premier chant, vous qui sur la terre habitez. Si vous voulez vous lever, chacun. Un, deux. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être là tous ensemble
partager notre joie, pour partager cette fraternité que tu nous donnes, pour partager cette parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous édifie. Nous te remercions, Seigneur, pour les témoignages que nous allons maintenant recevoir de l'œuvre que tu fais au travers de David et Caroline, Seigneur. Alors nous voulons leur laisser la parole et nous prions, Seigneur, que dans ces temps parmi nous, ils soient pleinement bénis. Au nom de Jésus. Amen. David. Bonjour à tous. C'est une joie d'être ici parmi vous. Donc, Caroline et puis nos trois filles, Julie, Anna et Claire. Il y aura une petite photo tout à l'heure. Je parlerai un petit peu de qui nous sommes et de notre mission. Donc nous habitons à Rennes, en Bretagne, et nous étions ici en janvier 2017 pour présenter notre ministère avec Agapé, donc déjà plus de 4 ans. Donc le temps passe, et puis le Covid n'a pas aidé à ce qu'on se revoie plus tôt. Mais c'est une joie d'être ici ce matin. Et Fred nous a demandé dans un premier temps de partager un petit témoignage de notre vie en mission. Donc je parlerai plus tard de la mission avec Agapé France avec laquelle nous travaillons, mais pour le moment j'aimerais aborder un aspect de ma vie en mission qui concerne également la vie de tous les chrétiens. Cette mission de glorifier Dieu en tout temps, en toutes choses, de lui rendre témoignage là où il nous place et envers toutes les personnes qu'il met sur notre chemin. Je pense notamment à notre famille ou à nos voisins. Et j'aimerais témoigner ce matin tout particulièrement de l'œuvre réjouissante que le Seigneur accomplit dans notre famille. Comme tous parents, nous souhaitons le meilleur pour nos enfants. Et donc, avant tout, nous souhaitons que nos filles puissent connaître et suivre Christ. Et nous essayons, depuis leur naissance, du mieux possible, d'être témoins en tant que parents d'une vie centrée sur Jésus. Nous essayons de les enseigner dans la parole, à travers la Bible, et nous prions également qu'elles puissent aimer Jésus dès leur plus jeune âge, et aimer lire et méditer sa parole. Et nous sommes bien conscients de le faire imparfaitement, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur et sur son esprit qui, finalement, est celui qui accomplit toute œuvre bonne dans les cœurs. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment la joie de pouvoir rendre gloire à Dieu pour cette œuvre qu'il a accomplie, parce qu'en effet, Julie et Anna, donc, qui ont 13 et 11 ans, se sont fait baptiser le 16 mai, en même temps que trois autres frères et sœurs de notre église de Rennes-Nord. Et c'est vrai que c'était une émotion pour des parents de voir leurs enfants s'engager avec Jésus. Et aussi une émotion mêlée de fierté et d'humilité à la fois, lorsqu'on entend leurs témoignages et qu'on constate l'œuvre que Dieu a accomplie dans leur cœur au fil des années, à la fois à travers ce que nous avons semé et puis bien d'autres choses au-delà de ce que nous avons pu faire. Nous sommes également reconnaissants et encouragés par la fidélité et la persévérance d'Anna, qui a prié pour ses copines d'école et pour la possibilité de témoigner de sa foi pendant plus d'un an, pendant la période Covid et même avant, afin que son baptême puisse déjà avoir lieu et puis que ses amis puissent venir et être touchés par son témoignage. Et donc le jour J, pendant le long week-end de l'Ascension, malheureusement, aucune de ses amies n'était disponible pour venir au baptême. Donc vous pouvez imaginer peut-être sa déception et puis la nôtre en tant que parents, de voir que Dieu n'avait pas répondu à ses prières comme nous le rêvions. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, il est fidèle. Et il a répondu à sa manière un peu plus tard en nous donnant l'opportunité d'inviter les 5 amis d'Anna à la maison pour regarder ensemble les vidéos des baptêmes et des témoignages. C'était vraiment une grande joie pour nous de voir que voilà, finalement il répond d'une autre manière. Et ses amis ont écouté attentivement, regardé ce qui s'est passé. Et l'une d'elles a même dit « La Bible, ça a l'air génial ». Donc on espère qu'elle puisse en découvrir plus. Et puis Anna a eu aussi l'occasion ensuite de reparler de Dieu avec certaines d'entre elles. Julie avait également 3 amis du collège qui ont pu être présentes. Et elle a pu depuis reparler aussi de l'existence de Dieu avec une de ses amies. Donc voilà, nous continuons à prier pour leurs amis. Anna et Julie espèrent pouvoir offrir un évangile à leurs amis quand elles les reverront prochainement. Et puis
Nous prions que Dieu donne l'occasion, sachant qu'il répond à sa manière et en son temps, comme je viens de le dire. Voilà, c'est un petit témoignage de notre vie en mission en tant que parents. Nous semons et puis nous attendons à voir les œuvres que le Seigneur accomplit. Et je veux conclure avec un verset qui dit, comme Marie le dit en Luc 1,49, « Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » On va en parler donc après la prédication, je vais expliquer un peu plus et puis il y aura quelques images aussi. Merci David. Il y a effectivement un temps qui est prévu après pour qu'on puisse faire connaissance avec la mission. Mais il paraît que quand un pécheur se repent, les anges se réjouissent dans le ciel. 5 baptêmes d'un coup, ça a dû être une sacrée nouba. Mais bon, on ne peut que glorifier le Seigneur qui nous conduit comme un berger. Et David a choisi ce chant dans lequel on peut accompagner pour rendre grâce à Dieu avec eux de ce qu'il nous a témoigné, ce chant « L'Éternel est mon berger, Yahweh ». Alors, chantons ensemble, célébrons Dieu. L'Éternel est mon berger,
Alors, comme David est venu avec sa chère épouse, nous avons demandé, puisque je crois que vous êtes tous les deux engagés dans le ministère, donc on a demandé aussi à Caroline de nous faire la joie de pouvoir partager un témoignage. Bonjour à tous. Donc on peut lire dans 1 Jean 3,18 « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Et cela fait quelque temps déjà que je suis travaillée par cette invitation à aimer en action et que je réfléchis en particulier à l'exemple que Jésus nous a laissé lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et je sens qu'il m'appelle à laver des pieds à mon tour, littéralement, en prenant soin des plus fragiles dans leurs besoins quotidiens. Le désir de mon cœur reste toujours le même, faire connaître l'amour de Dieu autour de moi, mais je me sens appelée à une nouvelle saison pour le mettre en pratique différemment. Et je suis reconnaissante pour la manière dont Dieu a ouvert les portes, les unes après les autres sur ce chemin, me permettant de faire un stage de 2 semaines dans un EHPAD récemment, ce qui a confirmé mon souhait de me former en tant qu'aide-soignante. Et j'ai su le 1er juillet que j'étais admise en formation à partir de septembre. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence. À la suite de la formation, j'aimerais travailler à mi-temps comme aide-soignante et continuer aussi à être engagée avec Agapé. Et je suis reconnaissante de pouvoir compter sur lui tout au long de ce chemin, sur notre Seigneur qui, comme on vient de le chanter, est notre berger, et qui, comme on va le chanter, est notre ancre et notre voile. Voilà. Eh bien, on va chanter « Mon encre et ma voile » puisque c'est le chant que Caroline a choisi pour que nous puissions nous unir aussi à elle dans ses réjouissances et sa reconnaissance. Sois mon encre, sois ma voix.
vraiment rendre gloire à Dieu avec le chant qui dit « À Dieu soit la gloire pour son grand amour, en lui je veux croire jusqu'au dernier jour. » Et après nous entendrons la méditation apportée par lui. Grâce pour la parole qui va nous être apportée. Rends nos cœurs sensibles à ce que tu veux nous dire. Laisse que nous nous laissions reprendre si nécessaire, que nous nous laissions exhorter, encourager, relever, rafraîchir. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te remercions pour ce que tu as mis dans le cœur de Claudine. Amen. Bonjour à toutes et tous. Je baisse ça. Hop. Eh bien, merci à mes frères et sœurs qui m'ont ouvert une voie royale avec les gestes d'amour et le lavage des pieds. Voilà, j'espère que vous aimez les histoires. Ce matin, deux en une. Parce qu'il y a une histoire cachée dans une histoire, un peu comme les poupées russes. J'ai intitulé ce message « Vois-tu cette femme ?» Car il y a beaucoup question de regards, des regards qui se croisent, ou pas d'ailleurs. Alors en préambule, une petite réflexion pratique. On utilise des mots, mais que représentent ces mots? Il me paraît impossible, mais bon, c'est moi, hein, de définir certaines réalités en trois lignes. Par exemple, si je vous dis « bleu », définition du dictionnaire, couleur qui, parmi les sept fondamentales du spectre, se situe entre le vert et l'indigo. Sa longueur d'onde s'étend de 450 à 500 nanomètres. Est-ce que ça vous parle? Pas sûr.
Par contre, si je vous montre ça, merci Simon, il va afficher. Ah, c'est quand même plus simple. Quoique, c'est plus simple, sauf pour les deltoniens, les aveugles. Parce que, figurez-vous que, en fait, les couleurs n'existent pas. Pas en tant que telles. C'est notre cerveau qui nous fait percevoir des images colorées et qui sont reconstruites à travers divers mécanismes physiologiques qui sont impliqués dans la sensation visuelle. Alors, évidemment, il existe d'innombrables variations. Des variations de perception d'une personne à une autre. Nos yeux sont quand même à même de distinguer 15 000 nuances de couleurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien sûr, inutile de vous dire, on ne peut pas les nommer. Un daltonien ne distingue pas les couleurs. Ce n'est pas de sa faute, c'est qu'il a besoin de guérison. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bon, alors si je vous parle de foi et d'amour, ça aussi, ça peut être très abstrait. Et si je vous lis une histoire, tout de suite, je vais apporter un échantillon, comme la couleur bleue, là, et une illustration. Et là, je pense que ça va devenir plus concret. Donc, lisons dans Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux. Elle les embrassa et versa du parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Ouf, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche. » Et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur remit à tous les deux leur dette. « Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il aura remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné de baiser. » Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi elle a beaucoup aimé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à se dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Donc je partirai de la conclusion, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette femme a cru en Jésus, elle a reçu la vie, elle repart en paix, dans une vie nouvelle. Comment a-t-elle exprimé sa foi ? Eh bien, comme le disait Caroline tout à l'heure, elle a rendu visible sa foi aux yeux de tous. Comment ? Par sa foi, par ses larmes, par ses émotions, par sa démonstration d'amour, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Et oui, les émotions font partie de la vie. Nous sommes d'accord, elles ne sont pas le fondement de notre foi, mais elles l'accompagnent. Et elles révèlent qui nous sommes. Eh bien, nous sommes des créatures sensibles, équipé par Dieu d'une réceptivité exceptionnelle. Quand on pense que mon œil peut capter 15 000 couleurs, et ça c'est que mon œil, hein, qu'en est-il de tout mon être, extérieur et intérieur ? Et qu'est-ce que je fais de cette réceptivité ? Oui,
Nous sommes des créatures merveilleusement complexes et réceptives. Mais nous avons un problème. Ce problème, c'est que la séparation d'avec Dieu engendre un amoindrissement de cette sensibilité qui nous est donnée. Mais cette sensibilité envers lui, eh bien voilà, elle est malheureusement émoussée quand nous sommes séparés de lui. On le voit sans le connaître ou sans le reconnaître. On voit, on regarde, mais sans discerner. Vois-tu cette femme ? On peut être daltonien, on peut être myope, on peut être carrément aveugle concernant l'œuvre de Dieu et concernant Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai retenu cette parole, vois-tu cette femme ? Et nous allons regarder la suite. Qui y a-t-il à voir dans ce récit ? Eh bien, il y a un pharisien qui invite Jésus à manger avec lui et Jésus y va et il se met à table. Alors, un pharisien, qui est ce monsieur ? Eh bien, Paul, qui connaissait un rayon en pharisien, nous dit que c'était la secte la plus rigide de la religion juive, des intégristes, en quelque sorte. Il se séparait du monde pour cultiver une pureté religieuse. Donc, il mangeait uniquement avec des gens qui étaient en état de pureté spirituelle. On peut supposer que cet homme était fier de sa discipline. D'ailleurs, il l'a sans doute un petit peu étalé devant tous les convives et devant Jésus en provoquant ce repas. Mais sans doute beaucoup trop centré sur lui-même. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il a accueilli... Non, il a invité Jésus, mais il ne l'a pas accueilli. Il n'a eu aucun des gestes d'accueil, qui étaient pourtant traditionnels dans l'époque. Il n'a pas lavé ses pieds, il ne l'a pas embrassé, il n'a pas versé d'huile parfumée. Et pourtant, il l'appelle maître. Bon, un paradoxe, pour quelqu'un qui cultive à son plus haut degré la pureté, il laisse Jésus se mettre à table sans s'être lavé ni les mains ni les pieds. Bon, pour un adepte de la pureté, quand même, une petite contradiction. Et voilà qu'une femme pécheresse se trouvait dans la ville et elle apprit qu'il était à table et elle décide de s'inviter. Le mot grec dit pécheresse, sans autre précision. Bon, et en plus, elle est anonyme. Donc c'est très vague, c'est si vague que nous pouvons toutes, et même tous, nous identifier avec elle. Certains ont vu en elle une prostituée. Bon, alors là, ça ferait monter de plusieurs crans la tension dramatique. Parce que un pharisien et une prostituée, là, on va droit au clash. C'est clair. D'ailleurs, Jésus a dit ailleurs, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Donc, qui était cette femme ? On ne sait pas trop qui, mais elle décida d'aller rencontrer personnellement Jésus et fait irruption dans la maison, à la grande surprise de tout le monde, alors qu'elle n'y est pas du tout invitée. Et je dirais même, elle est indésirable, et à mon avis, elle doit le savoir. Donc, j'imagine son émotion. Waouh ! Elle a sûrement la crainte d'être jugée, méprisée et jetée dehors. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, elle est déterminée. Elle est prête à braver les regards qui vont sans doute la fusiller sur place. Donc, waouh, là, ça doit battre. Mais je crois qu'elle est pleine d'espérance, elle est pleine d'attente, et je dirais qu'elle est pleine de foi. Et c'est sa foi qui va lui donner l'élan pour faire cette démarche. Elle avait sûrement écouté les paroles de Jésus à un moment ou à un autre, et elle avait cru. Et voilà que maintenant, elle se présente devant tout le monde, pour exprimer publiquement sa gratitude. Elle est venue intentionnellement, la preuve, elle a apporté un flacon de parfum. Si c'est une prostituée, elle a acheté ce parfum avec l'argent de sa profession. Ce qui donne à ce parfum, vous en conviendrez, un petit parfum de scandale quand même. Elle se tint derrière, au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Elle s'agenouille, elle verse des larmes sur ses pieds. Elle lui lave les pieds.
Puis elle les sèche avec ses cheveux, répand sur eux de l'huile parfumée et continue de les embrasser. La scène a dû susciter toute une gamme d'émotions et de réactions chez les personnes présentes. Luc ne nous donne pas de détails, mais essayons d'imaginer. Voilà. Est-ce qu'on entendait une mouche voler ? Ou alors est-ce qu'on entendait des murmures indignés qui étaient échangés à mi-voix ? Oui, cette scène est complètement déconcertante, c'est complètement inédit. Et en plus, Jésus ne dit rien et il laisse faire. Ce qui finalement est presque aussi choquant que l'attitude de la femme. Quelle émotion dans ses larmes ! La voilà en présence de Jésus. Elle rencontre celui qui l'accepte comme elle est. Peut-être, pour la première fois de sa vie, elle n'est ni jugée, ni critiquée, ni montrée du doigt, ni repoussée. Au contact de Jésus, elle découvre l'amour infini de Dieu, et ça, ça déclenche un vrai torrent de larmes. Alors, qu'y a-t-il dans ses larmes ? Repentance, tristesse d'un passé plein de regrets, larmes de soulagement, parce qu'elle abandonne sa vie, entre les mains de Jésus, larmes de reconnaissance parce qu'elle a reçu et compris le pardon, sans doute un petit peu de tout cela ensemble. C'est une adoratrice. Elle pleure et elle adore. Ça, c'est l'adoration que Dieu cherche, en esprit et en vérité. Pas mal pour quelqu'un qui ne connaissait pas encore Jésus il y a si peu de temps. Comment être sûr que Dieu, c'est cette adoration-là qu'il cherche ? Eh bien, lisons la suite. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche. Le pharisien a invité Jésus, mais à mon avis, il ne l'a pas invité pour l'aimer, ni pour l'honorer. Son comportement nous en rend témoignage. Il l'a invité peut-être pour discuter, pour l'évaluer, peut-être pour le juger, ce qu'il fait d'ailleurs en un clin d'œil, si cet homme était prophète. Mais justement, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui connaît seulement le passé, c'est aussi quelqu'un qui connaît l'avenir. Il ouvre, il libère, il envoie, il met en mouvement, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Trois pas de vie et de foi. Jésus connaît la pensée inexprimée de Simon. Pourtant, nulle colère, pas de confrontation. Jésus aurait pu, à juste titre, être offensé par le manque d'accueil, qui était clairement et publiquement un manque de respect à son égard. Il sait qui est cette femme, mais il ne la voit pas comme Simon la voit. Il se laisse toucher, il accepte chaque geste de sa part. Et ça, ça en dit beaucoup plus long qu'un grand discours. J'imagine que l'auditoire attendait qu'il parle. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Maître, parle. Jésus interpelle Simon en l'appelant par son prénom. Tiens, c'est la première fois dans le texte qu'on sait qu'il s'appelle Simon. Intéressant, non ? Cet homme n'est pas identifié par sa position, par sa religion, par son milieu culturel. Il est appelé par son prénom. Signalons-le au passage, je trouve que c'est un peu humoristique, Simon signifie celui qui écoute, celui qui entend. Donc Simon, j'ai quelque chose à te dire, là, waouh, Simon, ouvre tes oreilles, hein, puisque tu es l'écoutant. Et ça, je pense que c'est crucial. Est-ce que Simon va se réfugier derrière son statut, derrière sa position ? Est-ce qu'il va se draper dans nos pères ? Non, non. Il faut qu'il réponde en homme libre et responsable, parce que c'est à ça qu'on est tous appelés. Quand Jésus me dit « Toi, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu penses ?» Et si à moi, il me dit, il me pose une question, mais il attend que ce soit moi qui réponde. Certainement pas mon milieu, mon contexte. Non, il attend une réponse qui vienne du cœur. Alors, toi, que dis-tu ? Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux devait 500 pièces d'argent, l'autre 50.
Une fois qu'il a capté l'attention de Simon, il raconte une petite histoire qui, a priori, n'a vraiment aucun rapport avec le contexte. L'avantage d'une histoire, c'est qu'elle permet à chacun de s'y reconnaître sans être nommément cité. Donc, que celui qui a des oreilles écoute. Il donne une chance à Simon de voir, de comprendre, avec douceur, avec finesse. Il va l'amener un petit peu à réfléchir, à se poser quelques petites questions. Dans l'histoire, un créancier remet leur dette à deux débiteurs, dont l'un doit 10 fois plus que l'autre. À quelqu'un qui tient le compte des péchés, comme Simon, qui, n'en doutons pas, a un journal de bord très précis pour tout ça. Alors, à un homme comme Simon, Jésus va parler de comptabilité. C'est normal, parce que ça, il peut le comprendre. Donc, on s'engage dans la comptabilité. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur est mis à tous les deux leur dette. Jusqu'à présent, on suit, hein, c'est pas trop compliqué. Lequel des deux l'aimera le plus? Alors là, c'est là que ça se corse. Quel rapport avec l'amour? Qui l'aimera le plus? Là, on entre dans un terrain où Simon, à mon avis, n'est pas du tout familier. En effet, on entretient rarement des relations d'amour avec son banquier, hein. À moins que vous soyez marié avec un banquier ou une banquière, en général, les relations financières ne se situent pas à ce niveau. Donc, forcément, Jésus parle d'autre chose. Ben oui, mais alors de quoi? Est-ce que c'est... Oui, donc ce n'est pas un banquier ordinaire, ça y est, on l'a compris, ce n'est pas un banquier ordinaire. D'ailleurs, un banquier ne vous remettra jamais vos dettes, hein. Ne vous faites pas d'illusions, ça c'est clair. C'est donc qu'il y a autre chose à comprendre. Et si cette dette, c'était une dette d'amour? Ah, alors là, oui, parce que l'amour, il récapitule toute la loi, si j'ai bien compris. Les quelques centaines de lois que Simon doit s'appliquer et s'appliquer à mettre en pratique tous les jours. Oui, mais et si c'était une dette d'amour? Est-ce que tu as aimé Dieu de tout ton cœur? De toute ta force, de toute ta pensée? Non? Eh bien, tu as une dette envers Dieu, une dette d'amour. Mais il est prêt à te la remettre, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Le pardon est là, proposé gratuitement et abondamment par Dieu. Et son fruit, c'est la reconnaissance et l'amour. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il aura remis la plus grosse somme. » Je pense, hein, c'est pas sûr. Hein, enfin. Et voilà, j'imagine que Simon devait être quand même très gêné devant tous les invités, devant la femme pécheresse et devant Jésus. Il reconnaît que plus on est pardonné, plus on aime. Avec en préambule, je pense, hein, sous-entendu, je suppose, mais c'est pas sûr. Ben oui, mais Simon donne la réponse logique. La réponse attendue, celui avec qui on a remis la plus grosse dette. Simon déclare ainsi de sa propre bouche que l'amour est proportionnel au pardon. Et il comprend où Jésus veut l'amener. Peut-être un peu trop tard, mais il comprend. Lui faire reconnaître que son manque d'accueil et de gratitude, il l'a exprimé quand il a invité Jésus sans l'accueillir. Il lui dit « Tu as bien jugé ». Donc Jésus enseigne que plus on est pardonné, plus on ressent de gratitude et de dévouement. Simon n'éprouvait pas de gratitude. Pourquoi ? Sans doute qu'il ne connaissait ni le pardon, ni l'amour que cette femme avait expérimenté. Puis il se tourna vers Simon et lui dit « Vois-tu cette femme ?» Oui, évidemment que Simon la voit. Hein. Je pense que même à la limite, il ne voit qu'elle. Hein. Donc il se tourna vers la femme et il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Vois-tu tout ce qu'elle a fait? Vois-tu comment elle m'a accueilli? Vois-tu comment elle m'a aimé ?» Évidemment, ses yeux spirituels sont aveuglés. Simon la voit, mais en fait, il ne la voit pas parce que ses yeux sont aveuglés par le péché. Ils sont aveuglés parce que, sans doute, ils se croient meilleurs qu'elle. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de ce message sur le processus de vision. Mon cerveau voit
des couleurs, voit des formes, et il interprète ce qu'il voit. Mais si mon œil est malade, d'abord je vois de travers. Et ensuite, une fois que j'ai vu, j'interprète. C'est-à-dire que la vision va dans mon cerveau, et là j'ai des cartes mentales qui sont toutes prêtes, et je vais ranger ce que j'ai vu dans une case. Et là, c'est la case femme, pécheresse, comportement inconvenant, donc je détourne la tête. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Waouh ! Ce pauvre Simon, il n'était pas en bonne posture. Donc, vois-tu cette femme, Simon ? Jésus va lui montrer ce que Simon n'a pas vu. La foi, l'amour, l'humilité, démontrée par cette femme, en contraste avec son attitude à lui. Waouh, je n'aurais pas aimé être à la place de Simon. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi elle a beaucoup aimé. La parole de Jésus va expliquer toute la scène. Il accepte et défend la femme. Non, personne ne mérite que Dieu lui remette sa dette et efface ses péchés, qu'ils soient nombreux ou pas. L'amour est le fruit du pardon reçu. Et non l'inverse. Le pardon n'est pas une récompense. Si on attend que Dieu nous pardonne parce qu'on l'aime, eh bien nous nous trompons. C'est lui qui nous a aimés le premier. Pardon. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Voilà, la conclusion est limpide. La foi sauve cette femme. Elle exprime sa foi par des gestes d'amour. C'est ce que Paul dira aux Galates. Si quelqu'un vit uni au Christ, être circoncis ou pas circoncis, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. N'est-ce pas, Caroline ? Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Ça, c'est la question qui est au cœur de l'Évangile. Qui est cet homme ? Un simple homme ou le Fils de Dieu ? La réponse de Jésus est implicite. S'il pardonne les péchés, c'est parce qu'il est Dieu. S'il accepte l'adoration, c'est parce qu'il est Dieu. Donc il confirme pour la femme, la deuxième fois, par sa parole, que oui, elle est pardonnée et oui, elle peut aller en paix. Quelles sont les émotions de la femme à ce moment-là ? Je pense une joie débordante, une paix extraordinaire, un sentiment de liberté, un cœur débordant d'amour et de gratitude. Waouh ! En un laps de temps bien court, elle est passée de la honte à la restauration, de la culpabilité à la liberté, de la souffrance à la délivrance. Sa présence était illégitime, mais maintenant, elle est pleinement légitime. Jésus la regarde et il lui donne une nouvelle identité, fille de Dieu, adoratrice. Alors, je vous pose la question, tu vois cette femme ? Ce récit, c'est un peu comme notre palette de bleu du début. Elle met en évidence la grâce multicolore de Dieu, accueil, pardon, amour, justification, libération. Cette femme, elle a sa palette de bleu. C'est ses propres sentiments, ses propres émotions et ses propres gestes de foi. Nous aussi, nous avons nos couleurs, nos expressions de foi et d'amour, parce que chacun, chacune est unique. En partageant avec une sœur sur ce texte, elle m'a dit « Oh là là, moi je ne pourrais pas faire ce que cette femme a fait ». Oui, mais c'est normal, on est tous et toutes différentes. D'ailleurs, si on se rappelle bien quelques personnages qui ont rencontré Jésus, nous voyons toute une gamme de réactions. Zachée rend ce qu'il a volé et fait un festin. La femme samaritaine s'en va dans le village proclamer partout que Jésus est le Messie. Lévi laisse instantanément sa position de collecteur d'impôts et hop, il suit Jésus. L'aveugle et le lépreux guéri se prosternent. Bref, il y a toute une gamme, c'est comme la palette de bleu, toute une gamme de façons d'exprimer sa foi. Chacun a sa manière de répondre. Donc, ne nous comparons pas les uns aux autres. Ce n'est pas la peine. Mais par contre, que notre œil soit en bon état. Quand il nous raconte ce qui s'est passé ce jour-là, Luc ne nous dit pas quelle fut la réaction de Simon, ni des convives. Ont-ils vu cette femme ? Ont-ils vu Jésus autrement ?
Est-ce que leurs yeux ont été éclairés? Et est-ce que les nôtres aussi, d'ailleurs, sont éclairés? Au passage, posons-nous la question. Ce récit confirme que Jésus est prophète et aussi que le pardon est accordé sans aucune autre condition que la repentance. Oui, Jésus est prophète. Il le manifeste en révélant les pensées cachées de ceux qui sont autour de lui. Et puis les miennes, et puis les vôtres. Jésus voit tout, il sait tout. Et nous, comment vont nos yeux? Quel est notre regard? Est-ce que notre regard est comme celui de Simon qui accuse? Quand il regarde cette femme, il la méprise. Est-ce que notre regard est celui de la femme sur Jésus, plein d'attente, d'espérance, de foi? Est-ce que notre regard est celui de Jésus sur Simon, interrogateur et désireux de le faire avancer? Ou bien est-ce une absence de regard, comme ce qui se passe entre le pharisien et la femme? Comme cette femme, est-ce qu'on a pris conscience que nous n'avons ni aimé, ni connu Dieu, ni vécu selon sa pensée? Voulons-nous, avec détermination comme elle, venir pleurer aux pieds de Jésus et lui offrir notre parfum? Avons-nous vu cette femme? Pouvons-nous nous inspirer de sa foi, de son humilité et de son cœur d'adoratrice? Pouvons-nous partir avec joie et légèreté parce que nous sommes pardonnés? C'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Et si vous n'avez pas cette assurance et que vous voulez parler avec nous, venez nous voir à la fin du culte et nous prierons ensemble. Que le Seigneur vous remplisse de sa gratitude et qu'il y ait vraiment dans la maison de Dieu, il y ait d'abondants flots de louanges et d'adoration, de gratitude, de joie à l'égard de celui qui nous a accueillis et qui s'est mis à notre niveau et qui a accepté nos gestes, nos parfums, nos larmes. Il accepte tout parce qu'il nous aime et il veut nous mettre en marche pour continuer avec lui. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Claudine, c'est bien parfois de remettre les choses dans le bon ordre. C'est le pardon que nous avons reçu qui nous permet d'aimer. Et comme l'a dit Claudine, c'est vrai que souvent on essaye de mériter ce pardon et on met les choses dans le désordre. Voilà le moment où nos frères et sœurs missionnaires vont venir nous présenter l'œuvre qu'ils accomplissent et satisfaire les impatients. David, si tu veux venir. David nous donnera après quelques sujets de prière et on prendra un moment ensemble pour prier sur ces sujets-là et qu'on emportera aussi chez nous pour continuer à prier. Merci. Il y aura normalement quelques images qui vont s'afficher pour illustrer ce que je vais dire, si ça fonctionne. Voilà. Donc, bon, à nouveau, merci pour votre accueil et puis c'est une joie de pouvoir partager un peu... ce que nous vivons. Donc, j'ai déjà dit qu'on habite à Rennes et donc on est effectivement missionnaire avec Agapé France depuis 10 ans. Vous voyez donc là la famille, si vous n'avez pas encore aperçu dans les rangs. Julie qui a 13 ans, Anna 11 ans et Claire 7 ans. Et donc, je vais essayer que ça marche bien. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour la part importante que chacun d'entre vous a dans notre ministère. Parce qu'en effet, cette Église nous soutient fidèlement dans la prière et financièrement depuis février 2017. Donc un grand merci pour votre soutien à nos côtés. Merci d'être partenaire avec nous dans l'œuvre que le Seigneur accomplit. Et j'aimerais ce matin donner un petit aperçu de ce que Dieu fait à travers Agapé France et puis notamment à travers mon ministère dans les stratégies digitales, afin que vous puissiez louer le Seigneur avec nous et puis continuer à nous porter dans la prière. Je perds ma voix aussi. Alors, est-ce que ça passe? Non. Est-ce que j'ai besoin d'un coup de main? Ah, c'est passé, ok. Il faut que je me pointe par là-bas. Donc peut-être déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop Agapé France, je voulais rappeler ici notre vision, qui est de permettre à chacun en France de découvrir, vivre et partager l'Évangile. Et pour cela, nous intervenons dans différents cercles de la société avec
des équipes de ministères auprès notamment des étudiants avec Agapé Campus, peut-être certains ont entendu, dans le sport, à travers Sport et Foi, la musique avec Crescendo, l'art également avec Agapé Art, sont des exemples, ou encore en ligne via nos différents sites web ou réseaux sociaux. Donc nous voulons rejoindre les différentes strates de la population. Et donc en ce qui me concerne, je dirige le département des stratégies digitales pour Agapé France. Donc peut-être vous vous demandez, qu'est-ce donc que les stratégies digitales ? Je vais vous dire un petit peu. Je vous ai dit que la mission et la vision d'Agapé France, c'est d'aider chacun en France à découvrir, vivre et partager l'Évangile. Et donc pour cela, nous voulons aller là où sont les gens. Et avec la pandémie, peut-être encore plus qu'avant, entre les confinements et le télétravail qui perdure, la photo que vous voyez normalement représente ce que beaucoup de gens vivent au quotidien. Ils sont chez eux, derrière ou devant leur écran. Et donc là, vous voyez cette jeune fille que j'appellerai Élodie. Élodie n'est pas plus connectée que la moyenne, mais comme beaucoup d'entre nous, elle communique, elle se divertit à travers son téléphone. Et en 2020, Élodie a passé en moyenne 3h40 minutes par jour sur son téléphone portable, dont la moitié sur des applications sociales ou de communication, et près d'un quart sur des applications de vidéo ou de divertissement. Donc notre équipe des stratégies digitales d'Agapé cherche à créer du contenu numérique pertinent, du contenu de qualité, pour entrer en contact avec plus de personnes comme Élodie, à travers les réseaux sociaux, à travers nos sites internet, et pour cheminer spirituellement avec ces personnes. Voilà un peu la raison d'être de ce travail. Nous offrons des séries d'emails, par exemple, pour découvrir la foi ou être affermi dans la marche avec le Seigneur. En 2020, nous avons eu plus de 8000 inscrits qui ont bénéficié de ces séries de messages. Et à travers nos différents sites internet, nous avons également reçu près de 2000 messages posant des questions spirituelles. Et donc nous voulons permettre à plus de gens encore de poser leurs questions, d'avancer dans leur recherche spirituelle. Voici quelques exemples de questions auxquelles notre site questionsdevie.com tente de répondre. Quel est le but de ma vie ? Comment être en paix plutôt qu'inquiet ou soucieux ? Où est Dieu quand l'épreuve nous frappe ? Qu'arrive-t-il après la mort ? Pensez-vous que Dieu nous aime ? Comment expérimenter l'amour de Dieu ? Jésus est-il vraiment mort sur la croix ou pas ? Quelle est la différence entre Jésus et les grandes religions ? Donc à travers des dizaines d'articles, nous cheminons avec les internautes dans leur exploration de ces grandes questions. Et puis finalement, toutes les grandes questions de la vie conduisent à deux questions existentielles auxquelles nous souhaitons principalement répondre, qui sont « Qui est réellement Dieu ?» et « Comment être en relation avec lui ?» Des dizaines de personnes, chaque mois aussi, nous envoient des messages plus personnels, des personnes qui nous écrivent de France, du Québec, d'Haïti, mais aussi beaucoup d'Afrique. Et mon collègue Dan répond à des centaines de messages chaque année et accompagne plus ou moins longtemps ces gens dans leur cheminement spirituel, selon le souhait de chacun. Parfois, nous pouvons avoir le privilège de voir des personnes retrouver l'espérance en découvrant l'amour de Dieu pour eux et en acceptant de se confier en lui. Parfois, les échanges sont écourtés et nous pouvons simplement prier pour remettre à Dieu la suite du voyage de ces personnes en lui faisant confiance. Donc voilà, c'est variable, comme on l'a dit tout à l'heure. Grâce à un système d'accompagnement en ligne, nous souhaitons aussi mobiliser et former plus d'accompagnateurs bénévoles, des chrétiens motivés de consacrer un petit peu de temps chaque semaine pour initier des conversations spirituelles avec les milliers de personnes qui visitent nos sites et puis nos réseaux sociaux. Et donc pour cela, nous avons commencé un partenariat avec nos collègues de Pouvoir de Changer au Québec, qui ont développé un système qui s'appelle TMM, donc en anglais c'est The Mentor Ministry. Et ce système facilite la formation d'accompagnateurs et puis la gestion des messages qui arrivent dans nos sites internet pour les renvoyer vers les gens qui sont disponibles en fonction du temps qu'ils ont. Et puis ça permet de faciliter le transit des messages.
Donc, vous pouvez prier que le Seigneur m'aide avec la mise en place de tout cela. On veut aussi réorganiser le contenu sur nos sites web pour, voilà, pour que ce soit pertinent et que ça permette à plus de gens de nous contacter. Mais comme le dit la Bible, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, voilà, priez pour bien avancer sur tout ça. Si vous êtes intéressé de devenir accompagnateur bénévole en ligne, n'hésitez pas à venir me voir. Si ça vous dit d'encourager des gens, de les aider à s'approcher de Christ, on peut en parler aussi après ce culte. Et vous pouvez visiter également cette adresse tmm.agapefrance.org qui explique de quoi il s'agit et puis comment devenir accompagnateur. Une part de mon travail consiste également à encourager et équiper donc mes collègues des différents ministères que j'avais cités au début, pour qu'ils utilisent aussi le digital de façon sage et efficace, afin de rejoindre leur public spécifique dans leur cheminement spirituel. Donc là, depuis le début de la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'opportunités. Donc c'est à nous de recevoir la sagesse du Seigneur pour savoir ce qui est bon ou pas de faire, et puis aussi d'avoir développer les compétences nécessaires. Donc je facilite cet aspect-là également pour l'ensemble d'Agapé France. Quelques petits exemples en vrac que vous pouvez apercevoir de comment les différents ministères ont su utiliser le digital au cours de cette année scolaire. Agapé au féminin, par exemple, a proposé plusieurs séries de vidéos sur YouTube pour méditer des passages de la Bible, avec la possibilité aussi d'avoir des petits groupes de discussion sur Zoom. Et elles ont terminé l'année en juin avec un samedi matin de webconférence pour encourager les femmes à rayonner de Christ. Elles ont vraiment fait un bel usage cette année de YouTube, dans ce sens-là. Agapé Campus, auprès des étudiants à Montpellier, a organisé une matinée de Facebook Live pour parler des preuves de l'existence de Dieu. Donc c'est un moyen également de offrir plus largement ce qu'un petit groupe local pourrait faire, mais afin que d'autres puissent être bénis aussi à travers la France. Agapé Campus à Rennes a organisé des soirées de louanges sur Facebook Live, quand il n'était plus possible de se rassembler, afin que les étudiants puissent continuer à louer Dieu ensemble. Et au niveau national, Agapé Campus a également lancé des soirées de prière sur Zoom pour les étudiants, en partenariat avec les autres missions œuvrant parmi les étudiants. Donc il y a eu plusieurs centaines d'étudiants de toute la France qui ainsi ont pu prier plusieurs fois cette année, répartis dans des dizaines de groupes sur Zoom. Donc c'est vraiment des temps encourageants qui sont amenés à continuer, je pense, même si on peut à nouveau se réunir. Il y a ces opportunités qui ont été découvertes. Je voulais aussi partager ce verset de Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc ce verset de Paul nous rappelle que c'est Dieu qui transforme les vies par sa parole, par son esprit, et ça ne change pas. Et à travers nos initiatives digitales, on veut évidemment garder la parole de Dieu au centre et rester fidèle. Mais le message est toujours le même, mais le moyen de l'entendre ou de le lire peut changer. Et puis comment Dieu nous utilise aussi pour aider les gens à entrer en relation avec lui évolue. Et pour revenir à ce que j'ai dit au début, nous voulons rejoindre les gens où ils sont. Et donc c'est beaucoup de plus en plus derrière leur écran. Donc voilà, ça c'est mon ministère particulier au sein d'Agapé. Quelques mots sur Caroline, qui est déjà un grand soutien pour moi dans ce ministère. Depuis 10 ans, nous sommes engagés et 3 filles nous sont noyées, donc Caroline a été très occupée en tant que maman à la maison de nos 3 filles ces dernières années. Mais elle s'est aussi investie dans l'équipe des ressources humaines d'Agapé depuis plusieurs années maintenant. Et puis pour la suite, elle vous a partagé un peu ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc là, elle va commencer une formation d'aide-soignante, et puis après cette année de formation, nous referons le point de son engagement avec Agapé en parallèle, comment ça peut fonctionner. Donc vous pouvez prier que le Seigneur nous éclaire en son temps pour la suite. Je veux redire combien donc votre partenariat est important pour nous, et donc
Merci vraiment pour déjà l'accueil ce matin. C'est toujours bienfaisant de pouvoir partager ce que le Seigneur fait et de pouvoir voilà, moi-même renouveler ma vision en la partageant à d'autres. Si jamais vous souhaitez recevoir nos lettres de nouvelles un peu plus régulièrement, n'hésitez pas aussi à venir me voir à la fin du culte. Je peux noter votre adresse email. J'ai également quelques petites cartes et aimants si vous voulez prier pour nous, mettre sur votre frigo. Voilà, vous pouvez venir me voir pour ça. Et je vais vous laisser donc ces quelques sujets de prière. Déjà pour notre famille, que nous puissions continuer à grandir en amour pour Dieu et pour notre prochain, tout simplement, entre guillemets. Pour moi et l'équipe des stratégies digitales, que le Seigneur nous donne la sagesse pour rejoindre les gens dans leur cheminement spirituel grâce au digital, qui pourvoit également à des ouvriers pour étoffer notre équipe dans ce domaine. Et puis pour Caroline, que Dieu la prépare pendant cette année de formation à venir, non seulement au niveau des compétences à travers la formation, mais aussi spirituellement pour être porteuse de vie là où il y en a besoin et là où le Seigneur voudra aussi l'envoyer. Voilà, donc si vous voulez prier pour cela. Est-ce que c'est un temps de prière libre peut-être, je ne sais pas si une ou deux personnes peuvent prier. C'est vrai, sur le digital, sur Internet, nous trouvons le pire et le meilleur. Mais je crois que ça fait partie aussi des choses, Seigneur, que tu nous appelles à racheter pour toi, pour ton royaume. Alors merci, Seigneur, de mettre à cœur, de faire lever des ouvriers comme David, de mettre à cœur à plusieurs de pouvoir travailler dans ces disciplines, là aussi pour faire avancer ton royaume. Nous voulons vraiment invoquer toute ta sagesse, tout ton discernement, toute ton intelligence sur la manière d'utiliser ces moyens, de mettre en place des œuvres diverses pour l'utilisation de ces moyens et d'atteindre, Seigneur, ceux qui ont envie, ceux qui ont besoin. Parfois même par surprise, tu touches les cœurs qui n'ont pas prévu d'être touchés à ce moment-là. Et pour tout ça, Seigneur, nous voulons proclamer ta gloire et invoquer ta grâce et ton soutien sur David et sur toute l'équipe. Merci de passer. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier pour le ministère de ce couple, de tes corps et de leur famille en France. Seigneur, merci pour ce ministère tellement important. Nous prions que ça touche beaucoup, beaucoup de personnes en France, Seigneur, et qu'ils soient encouragés tous les jours dans le ministère. Parce que nous savons que ça peut être d'être missionnaires ensemble. Merci Seigneur. Merci de les protéger de toute attaque de celui qui ne veut pas qu'ils réussissent, Seigneur. Et dans ce domaine de l'informatique, on peut appuyer, Seigneur, nous savons qu'il y a tant de dangers, tant de choses qui s'opposent à ta volonté. Alors nous prions ta protection, Seigneur, sur ce ministère et sur cette famille. Oui.
merci pour la propagation de ta parole, car si nous n'avions pas entendu l'Évangile, eh bien, nous ne pourrions pas être là ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui court avec vitesse dans ce monde. Merci, c'est vrai, pour toute cette œuvre de diffusion de la parole, pour toute cette œuvre d'accompagnement aussi des personnes qui cherchent. Te prions pour que tu fasses vraiment concourir toutes choses au développement de cette œuvre. Tu suscites des ouvriers dans la construction et que tu donnes à toute cette équipe l'intelligence, la sagesse, le discernement pour atteindre, c'est vrai, le contemporain. Seigneur, merci de bénir, merci d'éclairer, d'ouvrir leurs yeux, c'est vrai, sur ce que tu as prévu, car nous ne doutons pas que tu as des plans et des projets. Des projets de salut pour ce pays. Merci pour ta grâce qui œuvre en permanence pour toutes les personnes qui sont sauvées. Merci pour cette équipe qui travaille et qui te cherche. Seigneur, nous comptons sur toi pour qu'il y ait un fruit et un fruit abondant dans la gloire de notre Père. Merci Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, c'est toi qui nous a pardonné, et c'est toi qui nous remplis encore d'amour par ton esprit pour aller rencontrer, aimer, accompagner les gens dans ce monde. Seigneur, équipe-nous par ta parole chaque jour, par des dons spécifiques, et avant tout par ton amour et un regard bienveillant sur chacun pour être prêt à cheminer ensemble et à témoigner de l'espérance qui est en nous. Amen. Ne voulons pas oublier Caroline, Seigneur, surtout en ce temps de pandémie. Il y a tellement besoin de personnel soignant, et en plus personnel soignant qui soigne avec ton amour, avec ton cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de poser ta main sur elle et de conduire toutes choses à bonne fin pour elle. Que tu sois son soutien, autant dans les études que dans son cheminement spirituel, que tu sois vraiment proche, qu'elle puisse là aussi témoigner de ta présence, de ton amour et de ta fidélité. Nous te la confions dans le nom de Jésus. Merci pour toute cette famille. J'entends Julie qui a envie de ses copines d'entendre parler de toi. J'entends Caroline qui te fait ton service concret par son diplôme de soignante. C'est comme Seigneur qui se met au service de ceux qui cherchent par Internet. Ce sont des choses différentes. Seigneur, donne-leur la sagesse à tous. Parce que ton œuvre ne devienne pas, que leur objectif ne devienne pas un but premier, mais qu'ils restent attachés à toi. C'est le meilleur moyen, Seigneur, de ne pas être déçu, de ne pas être frustré. J'imagine très bien, Seigneur, combien il y a beaucoup de gens qui commencent à discuter, puis qui arrêtent, puis on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ça peut, on peut le voir comme un échec. Et Seigneur, toi, tu es celui qui reste. Tu es celui qui envoie, tu es celui qui pourvoit. Il leur donne beaucoup de sagesse. Et merci encore pour nous, je m'en reconnaissant, parce qu'ils ont eu à cœur tout cela. Et nous sommes Jésus. Fred m'a confié le soin de nous envoyer pour clôturer ce culte. Donc peut-être je voudrais vous inviter à vous lever. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Merci pour leur venue. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont suivi sur Internet. Bon dimanche à tous. Pour les annonces en temps de vacances, on voit sur le site Internet, mais sinon, il n'y a pas grande activité au niveau de l'Église. On se retrouve par contre dimanche prochain à 10h45 pour le culte. Bon dimanche à tous. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.
sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour. Tellement de joie, tellement de joie.